parler du masque à Monsieur Lee. Je me demande si le roi T'Challa a gagné ses pouvoirs en se faisant mordre par une panthère radioactive. Même pour un balèze comme lui, ça doit faire mal. C'est pour ça que Jonah me payait une fortune.
J'avais presque oublié avoir acheté cette boule de neige pour Tante May. Si j'aime autant cette ville, c'est sûrement grâce à elle. Superbe. Le jour se lève. Monsieur Lin va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Ça va? Vous tenez le coup? Ce crétin pense que je vais emménager chez ma fille. Ce serait génial! Elle a même pas demandé. Mais c'est hors de question. Je bouge pas d'ici. T'en sais rien. Personne sait rien. Moi, en tout cas, je reste ici. Je vous le promets. Peter,
Que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert, et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi ? Vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Hey ! Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Il y a quand même moins de vétérans sans abri. Mais il y en a toujours trop. Heureusement, mon ami Flash Thompson fait de son mieux pour y remédier. Je vais rafistoler mes chaussures, elles tiendront encore un peu. Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en ville, se dégonfle les pattes.
parlé, et il avait l'air soucieux. Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. Oh, c'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. J'espère que j'ai pas froissé Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et il admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants d'esprit. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, Tante May. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Allô ? Peter, c'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien ? Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude. Je sais, je suis un sale type. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps ? Ça marche comment ? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Yes ! Hey, mais où vous allez comme ça ? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais, arrêtez ça immédiatement! Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit, j'appelle le bureau du maire. Peter Parker! Ça alors, comment vas-tu? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborne! Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai ? J'essaie seulement de t'aider, Otto.
Tu es libre de poursuivre ton travail. Avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter. Arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être? Lui dire de parler à son père? Non, il écoute jamais. Quand on sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche... Hé, il y a une de ses stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir. Il m'a laissé un message à leur sujet avant de partir sur l'Europe. Salut Peter, j'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur, des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. C'est pas ça qui va payer mes factures. Et on dirait que ça lui tenait à cœur. Je vais faire ce que je peux pour aider. Contrôle la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. Pas ragoûtant, mais il va falloir que je traverse ces nuages. Wow, pour qu'on voit ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxines doit être sacrément élevé. Et
très bien ce que je récupère. Les échantillons, pas les toxines. On dirait que j'ai sniffé un pot d'échappement. Les toxines proviennent de deux types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. Pas la lumière sur celle-là. Parfait. La meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Je pourrais peut-être me faire un costume vert pour le jour de la Terre. Cette station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Oscorp pourra pas dire que les stations d'Arin servent à rien. Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31e. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de mauvaises ondes? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur! Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. Herman, ça faisait un bout de temps. Eh, je suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Ah.
Oups, on dirait qu'on en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes? Non? La garde est pousse alors. Très bien, on va régler ça au point. Wow! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait. À ton service. Si tu veux te battre, on va se battre. J'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Tu te rappelles notre premier combat? J'étais jeune, j'étais stupide. Et toi? Eh ben, tellement stupide. Oh, tu me parles trop! Ça, c'est ton avis personnel. Et ouais, y a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache. Et qui décide du rapport idéal de la parole? Là, je peux lui faire vraiment mal. Pourquoi tu fais ça, Herman? Parce que sinon, ils vont me tuer! Arrête de bouger! Ah! J'ai pas entendu le mot magique! C'est autre chose. Si tu te rends, je peux t'aider. Tu veux vraiment m'aider? Alors laisse-moi partir avec l'argent. Ça va pas être possible. Plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent. Si tu veux vraiment toucher le pactole, essaie les crypto-monnaies. Ça cartonne. Attends. Oh non! Oh, sérieux, Herman? Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Si je parle, je suis mort. Il doit être très cher là-dessus. T'inquiète un peu, Herman. Y'a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur. C'est même pas une question de personnes. Va savoir qui te cache sous tes masques. Attends, t'as bien dit masque? Ces types masqués! Qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent? J'en sais rien, ils m'en fichent! Je finis sur un mec qui paraît! Attrape ça avec tes dents!
Tais-toi maintenant et on le protégera. Tu rêves. T'as pas vu ce que j'ai vu. Espèce de seul. Ok, dernière chance de prendre. Cette fois, je vais me fâcher. Arrête de bouger. Bon, jusque-là, j'étais gentil, mais là, je rigole plus. Dernière chance. La sentence est tombée. Littéralement. Terrifié, désespéré. Ces démons sont vraiment partout en ce moment. C'est bon, Yuri. Shocker est tout à vous. Bon travail. On lui a réservé une cellule spéciale au Raft. Cette fois, on fera en sorte qu'il reste derrière les barreaux. Au fait, je suis presque sûr qu'il travaillait pour le gang des démons. Le gang des démons? On dirait un gros titre du Daily Bugle. Hé hey! Le Bugle est un excellent organisme de presse. Je sais pas si on peut parler de presse. En tout cas, il paraît qu'ils sont de très bons journalistes. Mais bref, vous avez eu d'autres signalements de démons de type masqué? Je vous rappelle pour vous dire ça. En fait, dans quel état vous avez laissé la banque? Je doute que ça vous plaise. Oh, j'aurais dû m'en douter. Mon combat contre Shocker a pris du temps. Je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville.